J'ai été retenue au casting par la grâce de Dieu. J'ai peur, mais bon, Dieu fera grâce. Mademoiselle Kwasi Fernande, en licence 3 de maths info, 22 ans, 1m80, est celle qui accompagnera la mission finale en occupant la place de première dauphine avec 139 points sur 180. Stéphane veut faire connaissance avec toi. Qui est Fernande Kwasi? Alors, Fernande Kwasi est une jeune fille âgée de 22 ans, est née d'une famille de trois merveilleuses filles. J'ai été élue à Vodou en tant que première dauphine et là-bas j'ai eu mon ticket pour la finale. Je suis une fille un peu calme et très extravertie. Merci. Qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien après ton élection? Alors, plusieurs choses ont changé. Déjà, mon emploi du temps, je suis vraiment très occupée. Comparant les préparatifs pour la finale, aussi quand je sors pour le style vestimentaire, je dois être toujours bien mise, bien coiffée, bien habillée, bien maquillée. Et je suis devenue plus sociable. Par contre, quand je... Dans mon quartier aussi, dans mon quartier, pas grand-chose. Vu que quand je sortais auparavant, on m'interpellait, on me disait « Présente-toi au concours Miss Côte d'Ivoire, tu peux gagner, présente-toi, on va te voter. » Et là, quand je me suis présentée, on me dit au quartier « On t'avait dit, on te soutient, on a du cœur avec toi. » Et vraiment, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur en fait, de voir ces personnes-là qui ne te connaissent pas du tout. Venir te témoigner en fait leur soutien, leur accord, c'est vraiment gentil. Merci. Ainsi que dans mon école, pas grand chose. Vu qu'on m'appelait la Miss. Du coup, tout le monde me soutient, et me témoigne en fait leur soutien, leur affection. Et ça fait plaisir. Avec ton petit prénom, est-ce que vos rapports sont restés les mêmes depuis ton élection? Alors, je suis étudiante en année de licence de mathématiques appliquées. Du coup, associer en fait les études scientifiques et une relation amoureuse, c'est vraiment pas possible. Du coup, j'ai pas vraiment la tête à ça. Je ne m'explique pas vraiment dans cette question. Lorsque tu as décidé de te présenter, comment tes parents t'y croient? Ma mère l'a supporté. Elle a supporté. Elle a dit je te soutiens, que Dieu t'accompagne. Mais il n'y a pas des études de côté. Voilà, tu peux faire ton concours, c'est une prof en fait des études. Mais elle ne laisse pas tomber tes études. Par contre, mon père, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'on n'est pas d'accord pour ce concours. Déjà, je suis allée sans même qu'il ne sache en fait. C'est après qu'il a appris, il était content pour moi. Et là, maintenant, les deux me soutiennent. Tu me soutiens, bien sûr, ils me soutiennent à fond. Autant moralement, physiquement, spirituellement aussi, ils me soutiennent à
Il y a certaines anecdotes qu'on préférait garder secrètes. N'importe quoi, peux-tu en dévoiler une? Pour la petite histoire, juste avant mon concours, en fait, juste avant la présélection de mon concours, je crois un mois et demi avant, il y a eu un accident au niveau en fait de la cheville gauche. Du coup, je n'étais pas apte à marcher sur des tables. Et là, j'étais vraiment peinée. Voilà, je voyais mon concours passer en fait. Mais j'ai forcé. Et quelques deux semaines après, je pense, deux semaines après, oui, ça allait bien. Je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci, ça va mieux, je vais me préparer au concours. Et quand j'ai décidé ça, j'ai fait encore un deuxième accident au niveau encore de la cheville gauche. Du coup, je me suis dit, mais attends, c'est peut-être le destin qui ne veut pas que je me présente en fait à ce concours. Et là, c'était vraiment mes chances pour me présenter à ce concours étaient vraiment très nulles, vu que la cheville était vraiment pas du tout beau, à belle à voir. Et je n'avais pas marché sur des talons. Le médecin m'avait interdit même de porter des talons. J'ai vu mon médecin passer, j'ai vu en fait ce concours-là passer sur mon genou. Mais Dieu a fait grâce, il a fait grâce, j'ai vraiment forcé. Vu que ce concours-là, c'est vraiment un concours, j'ai forcé et maintenant ça va. Certaines personnes se sont manquées de moi. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis fière de moi, je suis fière de moi. Et c'est grâce à Dieu. As-tu déjà en tête la cause que tu souhaiterais défendre? Bien évidemment. La cause que j'aimerais défendre étant égoïste pour que tu sois dans le monde, par la grâce de Dieu, c'est de mettre en avant en fait l'entrepreneuriat féminin. C'est-à-dire accompagner la jeune fille, entrepreneur féminin, pour les aider mener en fait, pour les aider dans les projets économiques, à les préfinancer, pour en fait les accompagner dans la concrétisation en fait de leurs rêves. Y a-t-il une candidate que tu le veux le plus? Personnellement, non. Non, vu le trajet que j'ai connu jusqu'ici, il n'y a pas de candidat qui me manque le plus. Déjà cette année, elles sont toutes belles. Toutes belles. Moi, je les appelle mes sœurs. Elles sont toutes belles, très belles déjà. Et je souhaite vraiment bonne chance à toutes mes sœurs, toutes mes 23 sœurs qui sont belles. Mais je n'ai aucune candidate, car je suis pas confiance en moi, je crois en mes qualités. Et Dieu fera grâce. Un message à l'endroit de tes fans. À mes fans, voyons un grand merci, un grand merci de me soutenir pour ce concours. Ça fait chaud au cœur, c'est encourageant en fait. C'est encourageant. Il y a des personnes qui ne te connaissent pas, qui te soutiennent, qui passent bien le doigt, qui t'encouragent. Ça fait chaud au cœur. Je vous dis en fait que je ne veux pas vous décevoir. Voilà. La lutte est encore longue. Le chemin est long et on va gagner cette victoire ensemble. Continuez à me voter en envoyant Miss 14 ou 98 000 pour me pousser à la victoire. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Et Cosiane, penses-tu pouvoir continuer des études une fois élue? Bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment. Ashudia, on est avec toi jusqu'au bout. Merci, c'est gentil. Bon bisous. Cindy, Mami, Eva, merci. Merci pour ton soutien, ça fait vraiment plaisir. Liana Koué, merci. Anna Samira Mia, merci. Bon bisous, ma chérie. Chalène Dessin. Merci, ma belle. Jasmine Question. Il n'y a pas de même chance que les bambous. Ça, c'est la vie. Merci. Coucou, Chelsea. Au passage, j'aimerais faire un coucou à mon papa, à ma maman, à ma soeur. Bisous et vous aime, que Dieu vous bénisse.
Ok, Samira. Merci, ma belle. Grâce, Mariam. Bisous.